Si en novembre dernier, Nabila promettait à Yann Barthès d'encourager son public à voter tout en ne souhaitant pas elle-même se rendre aux urnes, notamment parce qu'elle ne réside pas sur le territoire français mais à Dubaï depuis 2019, elle a soudain changé d'avis. Non seulement elle a tenu parole en motivant ses abonnés à faire leur devoir citoyen, mais elle s'y pliera aussi. En cause, de toute évidence, le résultat du premier tour donnant le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sans citer le parti d'extrême droite, l'ancienne star des Anges énonce toutes les raisons qui la poussent à retourner dans l'isoloir pour empêcher l'élection de la fille de Jean-Marie Le Pen. Vague de trolls, parce que j'aime la France de tous les horizons, de toutes les couleurs et de tous les milieux, parce que j'enseigne la tolérance à mon fils tous les jours, parce que je veux que mes enfants grandissent dans une France apaisée. Le 24 avril je vote Emmanuel Macron, a-t-elle indiqué sur Twitter en début d'après-midi. Sa prise de position a échaudé certains esprits, dont on peut encore lire les insultes nombreuses, émanant soit de sympathisants au Rassemblement national soit de personnes hostiles à une réélection du candidat LREM. En réaction, Nabila a limité les réponses à son tweet.